بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في صدد الحديث عن سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الذين معه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرجال المذكورون في الآيات هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم القوم الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه ونصرة دينه. Donc nous continuons d'évoquer la biographie des nobles compagnons du prophète alayhi salat wa salam, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'innombrables éloges dans son livre, ainsi que notre prophète alayhi salat wa salam dans sa sunnah authentique. À titre d'exemple, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: min al-mu'minina rijalun, il y a parmi les croyants des hommes, sadaqu ma ahadu Allah alayhi, qui ont été véridiques dans leur engagement qu'ils avaient ou qu'ils ont pris vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent et n'ont nullement changé. Dans un autre verset, toujours en évoquant les compagnons, Allah nous dit dans le sens: les tout premiers parmi, c'est-à-dire les tout premiers musulmans, parmi les médinois, les muhajirines, ceux qui ont émigré, et al-ansar, les médinois, et ceux qui les auront suivis avec bienfaisance. Ceux qui les auront suivis, c'est-à-dire les générations qui viendront après eux et qui suivront la trace des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils seront satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah dit encore: certes Allah a agréé et satisfait des croyants lorsqu'ils te prêtaient allégeance sous l'arbre. Yani sahaba, bay'atul ridwan, le pacte de ridwan, où les compagnons, les médinois, avaient prêté allégeance
afin d'accueillir le Nabi alayhi salatu wassalam à Médine, il avait fait allégeance sous un arbre, d'où le verset « Allah est satisfait des croyants lorsqu'il te prêtait serment sous l'arbre ». Dans l'autre verset, Allah dit « Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, les compagnons, sont durs envers les mécréants et sont cléments, miséricordieux entre eux. « Faman ahabbahum wa salaka sabilahum sa'ida fi dunya wal akhir » Celui qui aime les compagnons, pour les aimer, il faut les connaître. Celui qui aime Sahaba et qui emprunte leur chemin dans la compréhension de sa religion, dans sa aqida, dans sa croyance, dans son dogme, dans son comportement, يتبعهم في عقيدتهم في أخلاقهم في سلوكهم في معاملاتهم يتشبه بهم التشبه بالكرام بالكرام كرامو essayer de les imiter donc dans leur comportement, dans la façon dont ils agissaient, dans la façon dont ils se comportaient entre eux, avec les musulmans, avec ceux qui n'étaient pas musulmans, avec ceux qui les dirigeaient, avec comment Sahaba était, on doit essayer de le ressembler et d'essayer de les calquer du mieux que l'on peut. Et celui qui fera cela, il connaîtra la vie heureuse dans la vie d'ici-bas, avant même dans l'au-delà. وَأَمَّا مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَسَلَكَ سَبِيلًا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ فَإِنَّهُ يَقَدْ شَقِيَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Quant à celui qui les déteste, qui a de l'animosité envers l'un d'eux, envers certains d'entre eux, ou envers la plupart d'entre eux, et qui emprunte un chemin en dehors de leur chemin, alors il connaîtra la vie malheureuse dans cette vie, avant même dans l'au-delà, car il sera dans l'égarement qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal yaqul, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ المؤمنون في هذه الآية هم أولى بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين نصليه جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله الله عز وجل met en garde justement d'emprunter à notre chemin une autre voie que celle des compagnons de son prophète, ceux qu'il a choisis pour être les compagnons de son messager, de son prophète, ceux qu'il a choisis pour être les porteurs de la religion, les transmetteurs de sa religion, ceux qu'il a choisis afin de transmettre sa religion dans les quatre coins de la terre. Allah nous met en garde d'emprunter un autre chemin que leur chemin, car leur chemin a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le sens du verset, « Et quiconque fait scission avec le messager et suit un autre chemin, autre que celui des croyants. » Celui des croyants, ce sont sahaba, les premiers croyants, sur lesquels le verset a été révélé. « Nous le mettrons, nous allihi ma tawalla, wa nuslihi jahannam, wa l'ayyadu billah. » Donc Allah dit qu'on le délaissera, on le jettera en enfer dans la fournaise. Wal'iyadu billahi, quelle mauvaise destination. Fa'al-muhim, nudhakir daiman bi'ahammiyat ma'arifati ashabi al-Nabi alayhi salatu wa salam. Lianna hubbahum dinun wa imanun wa ihsan, wa bughduhum nifaqun wa tughyanun wa kufran, kama qala al-imam al-Tahawi alayhi rahmatullah. On rappelle souvent l'importance, avant de dévoquer le compagnon de ce soir, l'importance de connaître les sahaba, leur place et leur valeur dans notre religion, car comme a dit l'imam al-Tahawi, aimer les compagnons, l'amour des compagnons fait partie de notre foi, de notre croyance, de notre aqida. Ça fait partie de la bienfaisance et de l'excellence. Quant à celui qu'on te fait de détester, cela fait partie de l'hypocrisie, de la rébellion et même de la mécréance, wal'iyad billah. فموعدنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال الذي هو محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. Donc le compagnon que l'on va évoquer ce soir, c'est محمد ابن مسلمة, محمد le fils de مسلمة. يسمى
أو يكنى بأبي عبد الله وقيل أبي عبد الرحمن هو من الأنصار من الأوس أبو محمد ابن مسلمة dont la kunya est Abu Abdillah ou bien Abu Abdirrahman. Il faisait partie des Midinois, l'Ansar, et parmi les Midinois de la grande tribu Al-Aws. Il y a fi al-Madina kana bil-Madina Al-Khazraj ou Al-Aws. À Médine, il y avait deux grandes tribus, celle qui était nommée Al-Khazraj et l'autre qui était nommée Al-Aws. Wa kulluhum dakhalu fi dinillah. Et ce sont ceux qui avaient accepté l'islam. وهو من نجباء الصحابة شهد بدرا رضي الله عنه وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. C'est un des compagnons de Badr qui a assisté à Badr. وأهل بدر هم أهل الجنة كما قال الله عز وجل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. C'est un des Badri, c'est un Badri, le compagnon Muhammad ibn Muslima, il a assisté à la bataille de Badr. Quand on évoque toujours ou souvent la bataille de Badr, car elle a une valeur et un mérite, elle a une importance, car Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Nabi alayhi salatu wa salam a dit, Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Dire après la bataille de Badr, tous ceux qui avaient participé, ils avaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kama 'adatuna nadhkur manaqib as-sahabi thumma al-mawaqif. On cite à notre habitude certaines vertus et qualités du compagnon et ensuite on clôture en évoquant certaines situations qu'il a vécues à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Fa manaqibuhu kathiratun wa kathiratun jidda. Awalan, أنه من خيرة الأنصار. Premièrement, la vertu de ce compagnon est parmi les meilleurs des أنصار. الأنصار. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على الأنصار على وجه العموم. وفي مقدمتهم محمد بن مسلمة. قد أثنى الله على محمد بن مسلمة على وجه الخصوص. الله سبحانه وتعالى dans son livre il a fait les éloges des Ansar, des Midinois. Et à leur tête, Muhammad ibn Muslima, qui fait parmi les meilleurs, parmi les gens de Médine qui avaient accueilli le Nabi alayhi salatu wa salam. Wallahu azza wa jal huwa alladhi samma al-Ansar wa Ansaran. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui a nommé al-Ansar, il les a nommés par ce nom. Al-Ansar, c'est-à-dire ceux qui font triompher, ceux qui amènent al-Nasr, qui amène le triomphe, car ils ont fait triompher le Nabi alayhi salatu wa salam. Dhukira anna rajulan sa'ala Anas ibn Malik. Un homme avait demandé à Anas ibn Malik, qal ara'aita isman ansar, akuntum tusammawna bihi am sammakumullahu bih. Un homme a dit, vois-tu, il dit à Anas, vois-tu le nom, le terme ansar, est-ce que c'est vous qui l'avez, c'est-à-dire inventé, vous surnommez ainsi par rapport à votre origine et autres, ou bien est-ce Allah qui vous a nommé ainsi? فَقَالَ بَلْ سَمَّانَ اللَّهُ بِهِ. Il dit non, certainement c'est Allah qui nous a nommé ainsi. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ سَمَّاهُمُ الْأَنصَارِ وَأَثْنَى النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي سُنَّتِهِ عَلَى الْأَنصَارِ وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ. Et Nabi alayhi salatu wassalam, dans sa sunnah, il a fait les éloges, il montrait la valeur, le mérite de l'ansar. Et à leur tête, le meilleur d'entre l'ansar, ou l'un des meilleurs des ansar, c'est Muhammad ibn Muslima. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, ayatul iman, hubbul ansar. Wa ayatul nifaq, bughdul ansar. Yani ayatul iman, alamatul iman, hubbul ansar. وعلامة النفاق بغض الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام il dit les signes de la foi c'est l'amour de l'Ansar. Celui qui aime l'Ansar c'est un signe de sa foi. Il dit le signe de l'hypocrisie c'est détester l'Ansar. وقال صلى الله عليه وسلم
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يدي الأنصار nous les aimons qu'un véritable croyant et nous les détestons qu'un véritable hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aimera. Celui qui les déteste, Allah le détestera. والأنصار هم أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي مقدمتهم محمد بن مسلمة. الأنصار ce sont les gens préférés du prophète عليه الصلاة والسلام. Et à leur tête donc le meilleur ou l'un des meilleurs d'entre eux qui était محمد بن مسلمة. يقول أنس رضي الله عنه جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من الأنصار ومعها صبي لها فكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي قاله مرتين وهو الصادق المصدوق والذي نفسي بيده إنكم أيها الأنصار إنكم أحب الناس إلي. Une femme est venue avec un enfant au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils ont discuté, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit à deux reprises, par celui qui a mon âme dans sa main, vous êtes les gens que j'aime le plus. Al-Ansar, vous êtes les gens que j'aime les plus. Vous êtes mes préférés. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, lawla al-hijra, لكنت امرأ من الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي أو شعب الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام il dit si ce n'était pas la hijra, l'immigration, je serais un homme parmi l'Ansar. Si les gens avaient emprunté un chemin ou une vallée et que l'Ansar avait emprunté un autre chemin ou une autre vallée, un autre sentier, il dit j'aurais emprunté le chemin, le sentier de l'Ansar. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam Allahumma ghafir lil Ansar wa abna'il Ansar. Allahumma ghafir lil Ansar wa abna'il Ansar. Wa du'a'u an-nabi alayhi salatu wa salam mustajab. Nabi alayhi salatu wa salam, celui dont l'invocation est exaucée, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, il dit à Allah, il dit Allahumma, irfir lil ansar, ou Allah pardonne aux gens de l'ansar, les midinois, et aux enfants de l'ansar. Wa fi muqaddimati Muhammad ibn Muslima. Donc à leur tête, il y avait Muhammad ibn Muslima. ومن مناقبه ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة لا تضره أخبر أن الفتنة لا تضر محمد بن مسلم بن مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام il a informé que la fitna, les troubles ne feront aucun tort et n'atteindront point محمد بن مسلمة. والفتنة هنا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا ما وقع بين الصحابة أكثره كذب لا صحة له وما صح فيه فهم مجتهدون متأولون مغفور لهم كلهم أهل الجنة. Ici quand on parle de الفتنة, les troubles, c'est les dissensions, certaines divergences, certaines guerres même, qui ont eu lieu entre Sahaba radiallahu anhum. Et la plupart des récits qui sont rapportés sont mensongers. Il faut faire très attention dans ce domaine. La plupart des récits, la plupart de ce qui est cité, est qu'invention et mensonge, afin de discréditer les grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et de les rendre même mécréants, wal'iyadu billah. Et ce qui est authentique,
Parmi les faits, Nabi alayhi salatu wassalam a informé de cela, qu'il y aura yani, des troubles qui toucheront les compagnons. Ce qui est conforme, ce qui existe, ce qui a existé, ce qui est authentique, on a souvent répété que tous les compagnons voulaient le bien. C'est-à-dire, ils ont fait des efforts d'interprétation par rapport à un sens de priorité. C'est-à-dire, au niveau du califat, quand il y avait un assassinat, certains avaient la priorité de changer le calife, de désigner un nouveau calife. D'autres ont dit la priorité de venger ce compagnon. D'où la divergence qui a amené plus tard même à des combats. Et Nabi alayhi salatu wassalam a informé que Muhammad ibn Musliman, cette fitna ne nous touchera point. Il en sera préservé. يقول حذيفة بن اليمن صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضره الفتنة لا تضره الفتنة وإنه لما وقعت الفتنة اعتزلها رضي الله عنه يعني لم يذهب مع الفريق الأول ولا مع فريق الثاني اعتزل الفتنة حذيفة بن اليمن le compagnon du secret du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui connaît les affaires des hypocrites des affaires de la fin des temps les troubles حذيفة بن اليمن il dit il n'y a pas une seule personne sans que je crains pour lui la fitna, les troubles. Il dit, sauf pour Muhammad ibn Muslima. Car j'ai entendu le Nabi alayhi salatu wassalam dire, la fitna ne lui fera aucun tort. Les troubles ne lui causeront nullement de tort. Car lorsqu'il y a eu ces dissensions, lui s'est écarté. Il n'a pas pris de position ni avec les uns, ni avec les autres. Il s'est écarté, il n'a pas participé. Comme d'autres compagnons également ont fait cela. يقول الإمام الذهبي في سير أعلم نبلاء يقول وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة ولا حضر الجمل ولا صفين بل اتخذ سيفا من خشب وتحول إلى الربذة فأقام بها مديدة يعني مدة من الزمن. يقول الإمام الذهبي رحمه الله il dit, fut parmi, c'est-à-dire Muhammad ibn Muslima, fut parmi ceux qui se sont écartés de la fitna, des troubles. Ils n'ont pas participé, ni la bataille du chameau, ni la bataille de Siffin. Deux moments où sahaba se sont où il y a eu des luttes. Il dit, mais il a pris une épée en bois, et il s'est mis à l'écart, loin des gens. Et il a vécu comme ça, yani le temps que la fitna est passée. Jamais il a participé en donnant lui raison ou donnant l'autre tort, il s'est écarté complètement. ثالثا من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا شكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شكي عامل أرسل محمد بن مسلمة للتحقيق في القضية ليحقق القضية يعني كان يرسله في المهمات الصعبة محمد بن مسلمة c'est le compagnon qui était désigné par Omar ibn al-Khattab durant son califat pour l'envoyer pour vérifier des informations qui lui étaient rapportées en particulier lorsque les gens se plaignaient d'un des fonctionnaires de l'État si on peut utiliser le terme fonctionnaire de l'État de l'époque. Et ici, une personne que Omar ibn Khattab avait désignée pour faire l'imam, gouverneur dans une mosquée ou dans une contrée, imam dans une mosquée, juge d'un endroit, lorsque les gens se plaignaient, donc ça remontait au gouverneur, au calife général, il ne va pas tout de suite croire les gens, envoyer, il faut le mettre en prison, l'enfermer, non. Il va vérifier. Celui qui l'envoie pour vérifier et apporter les véritables informations, c'était Muhammad ibn Muslima. D'où la, yani, des affaires importantes. Chaka ahlu al-Kufa, chaka ou sa'dan, ila Omar ibn al-Khattab.
les gens de l'Koufa, en Irak, se sont plaints à Omar ibn Khattab de Sa'd, radiyallahu anhu. Les gens à l'époque se plaignaient des compagnons. Nous, on s'étonne des fois quand les gens se plaignent de nous. Sahaba, les gens se sont plaints d'eux. Donc, ils se sont plaints de Sa'd. Et Omar ibn Khattab, fa'azalahu. Il l'a mis, yani en suspens afin de vérifier. Wasta'mala lahum ammaran. Il a mis à la place, il a désigné Ammar. Washakaw Sa'd, ils ont répété ils se plaignent de Sa'd. Hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli. Subhanallah. Sahabi la yuhsinu yusalli. Au point où les gens ont dit, il ne sait pas bien faire la prière. Il ne fait pas correctement la prière. Comment les gens ont exagéré et changé. Fa'arsala ilayh. Il a envoyé vers lui. Faqala ya Aba Ishaq. Inna ha'ula'i yaz'umun annaka la tuhsin tusalli. Il dit ya Aba Ishaq. Sa'd. Il dit est-ce que tu. Les gens, ils disent cela, ils prétendent que tu ne sais pas faire la prière. Faqala Abu Ishaq. Amma ana. Wallahi. فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit quant à moi, il dit par Allah, je leur priais la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. يعني يصلي العشاء, يقول صلي العشاء فأركض في الأولين وأخف في الآخرين. Donc il dit il a donné un exemple de sa prière, il dit quand je priais العشاء, je faisais les deux premières rak'at un peu plus longues que les deux dernières. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mada qala Omar? Qala dhalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Yani adhannu fihi al-khayr. Ya'lamnahu min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wassalam. Il dit c'était mon intention. Yani mon opinion sur toi était cela. Yani il savait très bien qu'il priait. La prière du prophète alayhi salatu wassalam. Il sait que c'est un des hommes qui a accompagné le Nabi alayhi salatu wassalam. Il sait qu'il a participé à des batailles que les gens qui l'ont attaqué de cela n'auraient peut-être même pas participé. Ils n'auraient peut-être même pas osé affronter, comme on a déjà évoqué certaines situations, le sahaba était très minime par rapport à l'ennemi qui était énorme. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا وَهُوَ مُحَمَّدْ بْنُ مُسْلِمَةً. Il a envoyé Mohammed ibn Muslima avec lui il al-Kufa. Fasa'ala anhu ahl al-Kufa. Il a demandé, Mohammed ibn Muslima, il arrive à al-Kufa, il demande aux gens, au sujet de Sa'd, Abu Ishaq. Walam yada' masridan illa sa'ala anhu. Il n'y a pas une seule mosquée sans qu'il passe, il demande après Sa'd. Les gens, yathnouna ma'roufan. Les gens disent du bien. Hatta dakhala masridan li bani Abbas. Il est rentré dans une des mosquées de l'Koufa, faqama rajulun minhum. Et un homme à ce moment-là s'est mis debout. Yuqalu lahu Usama ibn Qutada. Donc cet homme était connu comme étant Usama ibn Qutada wa yukna Aba Sa'd. Ou Aba Sa'da. Sa kunya était Aba Sa'da. Qal amma. إذا نشدنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. Et lui il dit, donc si tu nous demandes, ben Sa'd ne participe pas avec l'armée lorsqu'il avec les pour aller faire l'expédition. لا يقسم بالسوية. Il ne partage pas avec équité. ولا يعدل في القضية. Il n'est pas juste dans les affaires. Yani, dire c'est un tyran, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est tout. Il a menti sur Sa'd, radiyallahu anhu. Faqala Sa'd, amma wallahi, la ad'uwanna bi thalath. Il dit, quant à moi, wallahi, il dit, je vais faire trois invocations. Yani, trois invocations pour toi. Allahumma in kana abduka hada kadiban, qama ri'aan wa sum'a. فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة. Il a fait du'a. Il a dit, ya Allah, si ton serviteur que voici, c'est un menteur, il s'est tenu debout par ostentation et pour faire parler de lui,
alors accorde-lui une longue vie et accorde-lui la pauvreté et soumets-le aux tentations. فقال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. عبد الملك, un des narrateurs, il dit: je l'ai vu cet homme plus tard. Il a vieilli au point où ses paupières retombaient sur ses yeux, tellement il était vieux. وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق. Et il regardait يرمزهن, il regardait les jeunes femmes sur les chemins. وكان إذا سئل, et quand on l'interrogeait sur cela, يقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. Il dit: c'est un vieil homme, شيخ كبير مفتون, qui est dans la tentation. La دعوة de سعد, l'invocation de سعد l'a atteint. C'est-à-dire que le musulman يحذر يعني أن يكذب أو أن يظلم أو أن تقر تكتب تقرير يعني كاذبا وزورا عن إنسان. Le musulman doit faire attention sur ce qu'il dit, de mentir sur quelqu'un, témoigner faussement, mensongèrement sur une personne, écrire faux. Tu signes, ouais, j'étais là, t'étais même pas là. Il a fait ça, tu as jamais vu et tu as témoigné en faux. فأحضر يعني أن تصل إلى منصب أو إلى مكان بظلم آخرين. Et tu vas atteindre une place, tu vas atteindre quelque chose et tu utilises l'injustice, tu mens sur les gens, tu trompes afin d'atteindre ton objectif. فهذا الرجل كذب على سعد, il a menti sur سعد, cet homme. وظلمه, il a commis une injustice à son encontre. فلما دعا عليه استجاب الله له, quand il a fait l'invocation contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. أما مواقفه فهي كثيرة جدا منها. Parmi les situations que l'on peut évoquer, il y en a énormément, nous allons citer une en particulier. موقفه في قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى الله ورسوله. La situation quand il a été envoyé afin de tuer كعب بن الأشرف, le juif, celui qui avait fait du tort à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل في كتابه مبينا عداوة اليهود للمؤمن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre dans son livre la haine et la rancune et l'animosité qu'ont les juifs dans leur cœur envers les croyants. Cela ne doit pas t'étonner, celui qui les a créés et qui t'a créé t'a informé de cela. Il dit dans le verset: et tu trouveras parmi les gens ceux qui sont les plus durs envers les croyants, les juifs et les associateurs. Wa Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi min ashadd al-Yahudi hiqdan 'ala al-Islam wal-Muslimin. Ka'b ibn al-Ashraf était parmi les juifs qui avaient le plus de haine, de rancune contre l'islam et contre les musulmans. Min ashaddihim idha'an li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ceux qui faisaient le plus de tort au prophète alayhi salatu wa sallam. Wa kana mudahiran bidda'wati ila hirbihi alayhi salatu wa sallam. Il appelait ouvertement, clairement à combattre le prophète alayhi salatu wa sallam. وهذا اليهودي كان من يهودي بني النضير. Ce juif faisait partie de la tribu juive de Médine, بنو النضير. وكان غنيا معروفا بالمال. Il était quelqu'un de très riche, connu pour sa richesse. وكان جميلا معروفا بجماله في العرب. Il était quelqu'un qui avait une beauté. Il était très beau, il était connu pour sa beauté parmi les Arabes. Et c'était un poète, min shu'ara il arab, parmi les poètes arabes. Et quand il lui arrivait la première nouvelle,
هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس. Lorsqu'on l'a informé de la défaite des polythéistes à Badr, malgré leur grand nombre, et la défaite éclatante qu'ils ont reçue, la victoire des musulmans, il n'en croyait pas ses yeux. Car la plupart des notables polythéistes de la Mecque étaient morts. Les grands chefs étaient morts à Badr. Il dit, est-ce que cela est vrai? Cela, ce sont les notables des Arabes, les maîtres, les rois des gens. Ils ne peuvent pas avoir perdu comme ça, par 300 personnes, avec un chameau qui se prêtait dans une bataille. In kana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asaba ha'ula'i al-qawm, qal la batnu al-ardi khayrun min dhahriha. Il dit, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a tué ces gens, il a eu victoire, alors mieux vivre sous terre que de vivre sur la terre. Il vaut mieux vivre, tu vis dans des tunnels, que de vivre sur la terre, pour la honte que c'est, et l'humiliation qu'il avait. ولما تأكد لديه الخبر quand il a été sûr et l'information était véritable, إن بعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم. Il a commencé donc avec la poésie et autres, l'éloquence, à se moquer de respect au messager d'Allah, aux musulmans, et à faire l'éloge de leurs ennemis et les inciter contre eux. Bal walam yarda bihada al-qadr. Il ne s'est pas arrêté là. Bal rakiba ila Quraysh. Il a même pris sa monture et s'est dirigé vers Quraysh, vers Mecca. Fanazala ala ahadi ashrafiha. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il est resté donc chez un des notables parmi ceux qui restaient. Faja'ala yanshudu al-ash'ar. يبكي فيها على أصحاب يعني بدر أصحاب القليب من قتل المشركين. Il a commencé à faire de la poésie en pleurant sur les morts des polythéistes qui sont tombés le jour de la bataille de Badr. Et il fait leurs éloges et il pleure afin de toucher les notables de Quraysh et de les inciter encore une fois à combattre les musulmans à Médine. فلما رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة على تلك الحال وأخذ يتغزل في أشعاره بنساء الصحابة ويؤذيهم بلسانه أشد الإذاء. Il est revenu à Médine en continuant donc sa poésie, en se moquant, prenant en raillerie les femmes des compagnons, les femmes des musulmans, touchant leur honneur, et en se moquant des compagnons, leur faisant du tort avec sa langue. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لكعب بن الأشرف من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام a ce moment-là a dit, qui va s'occuper de كعب بن الأشرف, car il a fait du tort à Allah et à son messager, et dépassé les limites. فقال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله. محمد بن مسلمة dit, moi au messager d'Allah, أتحب أن أقتله. Il dit, veux-tu que je le tue, je vais débarrasser de كعب بن الأشرف. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام dit, bien sûr. فقال فأذني أن أقول شيئا. محمد بن مسلمة dit, alors permets-moi de dire certaines paroles, de tromperie, afin de pouvoir arriver au but. وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالتَّرْبِيَ مَعَ الصَّحَابَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ يَسْتَأْذِنْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ. Le comportement du sahaba avec le Nabi عليه الصلاة والسلام, ils demandent permission dans toutes leurs affaires. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ. Il dit, dis. فَأَتَاهُ ذهب إلى كعب بن الأشرف. ذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف. اسمه الله محمد بن مسلمة سرّان شيء كعب بن الأشرف. فقال إن هذا الرجل
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا يعني أوقعنا في الحرج والعنت وكلفنا ما لم نجد. لذلك استأذن قبل أن يقول هذا الكلام. Et il dit cet homme, d'où la permission, d'avoir demandé permission de prononcer certaines paroles pour lesquelles il n'a pas foi, mais c'est pour ruser avec l'ennemi. Il dit cet homme, en parlant, il dit à Ka'b ibn Ashraf, cet homme, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de faire l'aumône. Il nous a fatigués avec les aumônes. Il nous demande toujours de faire l'aumône. Au point, on est dans la gêne, dans la difficulté. Il nous demande ce que l'on ne peut pas faire. Ka'b ibn Ashraf, قد بدأ البشرى على وجهه. À ce moment-là, son visage rayonnant, content. Il voit un des musulmans qui vient pour parler du mal du prophète alayhi salatu wassalam. Il le regarde. وقال والله لتملنه. Il dit par Allah, vous allez vous enlacer de cet homme. فقال محمد ابن مسلم إن قد اتبعناه وما نريد أن نرجع عنه حتى نرى إلى ماذا ينتهي أمره وشأنه. Et Mohammed ibn Muslim dit, mais nous, ça y est, là, on l'a suivi. Tous les gens l'ont suivi. Et on ne veut pas revenir sur nos pas jusqu'à voir et distinguer qu'est-ce qu'il veut vraiment et où se termine son affaire. Fasannifni wasqan aw wasqayn. Il dit, prête-moi wasaq ou bien wasaqayn. C'est un amas de biens ou d'argent. C'est un homme très riche. فقال كعب بن أشرف نعم ارهنوني. Il dit bien sûr je vais te prêter. Il dit mais tu me donnes quelque chose en gage. فقال محمد بن مسلم ماذا تريد أن نرهنك. Il dit qu'est-ce que tu veux que je te donne en gage. Il mettre en hypothèque, s'il ne rend pas il garde son bien. فقال ارهنوني نساءكم. Il dit vous mettez en gage vos femmes. فقال محمد بن مسلم كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. Et comment veux-tu qu'on te met en gage, on te donne nos femmes en gage alors que tu es le plus beau des Arabes. فقال فرهنوني أبناءكم. Il dit vous me donnez vos enfants en gage. فقال محمد بن مسلم كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهنا بوسق أو وسقين. يعني هذا يكون عار عليه, عار على الرجل لما على الولد لما يكبر يقول له الناس أنت مرهون بكذا بوسق لا تساوي شيئا. Ici محمد بن مسلم il dit comment veux-tu quand on met en gage nos enfants, on te donne nos enfants en gage, plus tard l'un d'eux sera insulté, on se moquera de lui quand il va grandir, on va dire toi tu as été mis en gage quand tu étais enfant pour un wasq, tu vaux rien en fait. Par moquerie. فقال كعب فماذا ترهنونني. Il lui dit donc qu'est-ce que vous allez me donner en gage. فقال محمد بن مسلم نرهنك اللآمة. Il dit nous allons te donner يعني السلاح. الأمة هو السلاح. Nous allons mettre en gage, nous allons te donner nos armes, tu les gardes en gage. وأراد بن مسلم بذلك يعني أنه إذا جاءه بعد ذلك بالسلاح ليقتله والسلاح في يده لا ينكره ويكون في اعتقاده أنه جاء بالسلاح ليضعه عنده رهنا. Ici محمد بن مسلم il veut comme ça quand il va apporter les armes pour le tuer, lui il va penser qu'il est venu amener les armes afin de les mettre en gage. Comme ça il ne va se douter de rien. C'est-à-dire il est venu pour poser les armes et à ce moment-là ils vont le tuer avec les propres armes en gage. Il a dit na'am, il a dit d'accord. ثم وعده محمد بن مسلم أن يأتيه في الليلة القادمة ببعض رجال على مثل ما هو عليه في محمد صلى الله عليه وسلم. Il lui a donné l'engagement de revenir la nuit prochaine avec d'autres hommes parmi les musulmans qui pensent comme lui du prophète صلى الله عليه وسلم. يعني كيزون مارد الصدقاء حاشا وكلا.
فجاءوه في الليلة التالية وهم متسلحون. Et là, ils sont venus la nuit armés. Sahaba, ils sont venus armés. فدعوه ليلا لينزل إليهم. Donc, ils sont venus, ils l'ont appelé pour, la nuit pour qu'il descende, pour lui donner les armes en gage. فقالت امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. Sa femme, elle dit, j'entends un son, une voix comme le son de, du sang. فقال كعب لها إنه أخي محمد بن مسلمة. Il dit, non, c'est mon frère. C'est mon frère محمد بن مسلمة. ورضيعي. يعني أخوه من في الرضاعة. Il dit, c'est mon frère également de lait. Abu Naila, c'est un proche, c'est un ami, ça y est, il va bientôt être la source pour tuer le prophète alayhi salatu wa salam. فنزل كعب فقال محمد بن مسلم لأصحابه قبل أن ينزل إليهم إني سأمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم فاقتلوه. محمد بن مسلم يجي aux autres qui sont avec lui. Lorsqu'il viendra, je tiendrai sa tête. Quand je serai bien accroché à sa tête, à ce moment-là, vous vous rapprochez, vous le tuez. Fa nazal Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahoudi, mutawashihan, tafouhu minhu raihatu al-tib. Il sort orné. L'odeur du parfum était sentie de loin. Fa qalu najidu minka riha al-tib. Sahaba, on sent l'odeur du musc. Du parfum. فقال كعب نعم عندي أعطر نساء العرب. J'ai les parfums des femmes des Arabes. Les meilleurs parfums, ils sont chez moi. فقال له محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم. محمد بن مسلمة dit, est-ce que tu me permets de me rapprocher pour te sentir, pour sentir ce parfum. فوضع يده في رأسه فمسح رأسه بيده ليأخذ من طيب رأسه ثم شمها. Donc la première fois, il a passé sa main sur la tête, il a senti l'odeur du parfum. ثم صاروا قليلا, ils ont avancé un peu. فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أعود أشم. Est-ce que tu me permets encore de ressentir ce parfum. فقال كعب نعم شم. Il dit sans la bonne odeur. فوضع يده في رأسه فلما استمكن من رأسه قال لأصحابه دونكم فاقتلوه فقتلوه. اسمولا il a dit, اسمولا quand il l'a attrapé par la tête, il a appelé les autres compagnons et dit maintenant tuez-le. Et les sahaba ils l'ont tué. يعني نزلت السيوف على جسد هذا اليهود المجرم الذي آذى الله ورسوله. Donc ils l'ont tué, sahaba, ce juif, car il a fait beaucoup de mal à Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de mal à son prophète. Quand on dit fait du mal à Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فوقع عدو الله قتيلا وصاح صيحة شديدة أفزعت من حوله من اليهود. Et lorsqu'il a été tué, il a lancé un cri au point où il a surpris tous les juifs qui étaient autour. فَلَمْ يَبْقَى حِصْنٌ إِلَّا أُوْقَدَ النَّارِ. Il n'y avait pas une seule maison, une seule forteresse citadelle sans qu'ils ont allumé le feu, c'est-à-dire pour s'éclairer. اسْتَيْقَظُوا مِنْ نَوْمِهِمْ. C'était en pleine nuit. Ils se sont réveillés tellement il a crié. وَفِي الصَّبَاحِ عَلِمَتِ الْيَهُودِ بِمَسْرَعْ طَاغِيَتِهَا كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ. Et au matin, ils ont compris, ils ont su que Ka'b ibn al-Ashraf a été tué. فَدَبَّ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِهِمْ. Et la crainte, l'effroi a été jeté dans leur cœur. Ils ont encore plus eu peur des musulmans. وَهَكَذَا قَتَلَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَ كَعْبَ بْنِ الْأَشْرَفَ الْيَهُودِ الَّذِي آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et c'est ainsi que Muhammad ibn Muslima, il a tué Ka'b ibn al-Ashraf, le juif qui a fait du tort à Allah, à son messager, et aux musulmans, et aux enfants et aux femmes des musulmans. ومن هذه من في هذا الموقف فوائد. Il y a dans ce passage des points importants. أولاً
حقد اليهود وعداوتهم للإسلام والمسلمين، وذلك من عداوة كعب بن الأشرف عندما قال ما قال بلسانه ووقف بجوار كفار مكة ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني مصداق قول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. On voit ici dans ce passage la haine qu'ont les juifs envers l'islam et les musulmans. On voit Ka'b ibn al-Ashraf, il le tort, le mal qu'il faisait avec sa langue, avec sa poésie, sa position à côté des mécréants de la Mecque, des polythéistes de la Mecque, le fait qu'ils soient leur allié contre le prophète alayhi salatu wassalam, contre l'islam. Et c'est le verset où Allah Azza wa Jalla a dit, comme j'ai cité tout à l'heure, tu trouveras parmi les gens qui sont les plus durs envers les croyants, les juifs et les associateurs. Athaniya Jubn al-Yahoud, on voit dans ce récit la lâcheté, la faiblesse qu'avaient et qu'ont les juifs. ويظهر ذلك عندما قتل طاغيتهم كعب بن الأشرف. Quand Ka'b ibn al-Ashraf a été tué, فلم يخرج إليه أحد منهم. C'est en pleine nuit, ils ont allumé les lumières, ils sont sahaba, ils sont pas beaucoup, ils sont dans leur tribu, aucun d'entre eux n'est sorti, malgré que ce cri les a réveillés de leur sommeil. Ils sont pas sortis. وجدوه مقتولا في الصباح. Ils l'ont trouvé le matin mort. ولم يتكلم أحد منهم بكلمة. Personne d'entre eux n'a osé prononcer une parole. Trouvé le matin mort, personne n'a osé parler. وما حارب أحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام. Aucun d'eux n'a osé même combattre النبي عليه الصلاة والسلام ou venger la mort de l'un de leurs chefs. وكل هذا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى il décrit dans le verset, il dit: أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. Vous jetez plus d'effroi dans leur cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont plus peur des musulmans, donc des sahaba à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, qu'ils n'ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Car ce sont des gens qui ne comprennent pas. لا يقاتلونكم جميعا. Ils ne vous combattront jamais tous ensemble. Jamais il y aura un affrontement. Illa, sauf fi Quran, sauf dans des cités fortifiées, aumi wara ijudur, ou bien derrière des murs, ou bien derrière des chars, ou autre, ba'suhum baynahum shadid. Yani, entre eux, ils ne sont pas bien, sont divisés. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont unis, en vérité leurs cœurs sont désunis. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Car ce sont des gens qui ne raisonnent point. الثانية أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. On voit dans ce passage le comportement de الصحابة avec le message d'Allah صلى الله عليه وسلم. L'amour des compagnons pour le prophète عليه الصلاة والسلام. ويظهر ذلك في محمد بن مسلمة مالي كعب بن الأشرف أنا يا رسول الله خفت عليه الصلاة والسلام دي كيف كعب بن الأشرف مواء مساجد الله أتحب أن أقتله veux-tu que je le tue نعم يعني مباشرة يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ملاحظة أخرى il y a un autre point يعني مهم جدا يظهر يعني من طريقة قتله رضي الله عنه كعب بن الأشرف. Il y a une remarque importante à faire pour pas mal comprendre le sujet et l'histoire de ce compagnon.
dans la façon dont il a tué Ka'b ibn al-Ashraf. وأنه ذهب إلى بيت كعب بن أشرف وقتله هناك. Il s'est rendu chez lui, il l'a tué donc chez lui. وإن دل على شيء فإنه يدل على أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Le premier point, ça montre que ce sont des vrais hommes qui sont véridiques dans leur foi, dans leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن يحذر الذين يتخذون هذا الموقف يعني بعض المسلمين يتخذون هذه القصة وإن كانت صحيحة دليلا فيجعلونها طريقا إلى القتل وطريقا إلى الاغتيالات. Il y a certains parmi les musulmans qu'Allah les guide et les oriente vers le bon chemin qui s'appuient sur ce récit authentique afin de tuer des gens ou bien de kidnapper des gens. Si tu leur dis, c'est quoi vous donner des qissas de Ka'b ibn al-Ashraf? Le prophète, il a envoyé, il y a des musulmans qui font des choses comme ça, ils font en pensant s'appuyer sur des textes. Ils disent, on fait ça car Ka'b ibn al-Ashraf, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a envoyé, Mohammed ibn Muslima, il a été le kidnappé, le tué, il est revenu. Donc nous également, on fait cela. أولا نقول أنا أودي أولا من أمر بقتل كعب بن الأشرف كي أغدني دتوي كعب بن الأشرف هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كي أغدني سي البروفيت عليه الصلاة والسلام سي توا إيغالمون سي لو بروفيت كي تأغدني سا tu as reçu la révélation de faire ça alors dans ce cas-là on va dire fait c'est la révélation. Mais toi, ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Toi, c'est de toi-même. Pourquoi il n'a pas fait avec d'autres? Nabi alayhi salatu wassalam, il l'a fait avec Ka'b ibn al-Ashraf. Il y avait d'autres gens, c'était des ennemis de l'islam. Pourquoi il n'a pas fait avec eux? Pourquoi il n'a pas pris d'autres gens? Al-hikma ya'lamuha sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il savait pour quelle raison il agit de telle sorte et pas de telle sorte. Wa thaniyan, lam yatarattab. ولا مفسدة واحدة بعد قتل كعب بن الأشرف. Après avoir tué كعب بن الأشرف, aucun mal ne s'est rétorqué contre les musulmans. Aucune mafsada, aucun mauvais effet s'est résulté de la mort de كعب بن الأشرف sur les musulmans. وأما بقتل فلان أو اغتيال فلان. كم من الناس في السجون؟ كم من الناس قتلوا؟ كم من الناس كذا كم من الناس كذا كم من المفاسد. Quant à ceux qui va prendre quelqu'un, il va kidnapper quelqu'un, il va tuer quelqu'un, combien de mal après, combien de gens ils meurent, combien de musulmans ils meurent à cause de ça. Pour une personne, ils vont tuer un village de musulmans. Et toi tu dis que c'est Ka'b ibn al-Ashraf, c'est qissat Ka'b ibn al-Ashraf. Qui a été tué après Ka'b ibn al-Ashraf parmi les musulmans? Aucun. Les musulmans étaient dans une position où ce n'était pas la même que dans certains endroits ou dans certaines époques. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ الْمُسْلِمِ وَلْيَرْجِعْ إِلَى الْعُلَمَا رَجِعْ إِلَى الْعُلَمَا فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ. Le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être poussé, être vaincu par les émotions, par la fougue ou autre, mais de revenir aux hommes de science, de revenir aux ulama et de leur demander et de voir comment les musulmans ont débuté, comment ils ont la victoire, comment changer les situations que connaissent les musulmans dans notre époque. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلِمِينَ إِلَى دِينِهِمْ رَدًّا جَمِيلًا إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.